avion. Ouais. On va bientôt arriver à Paris. Ouais, là on est en train de l'en faire. Et après on va en Amérique. Là d'abord on fait Paris, après on atterrit à Atlanta. Atlanta c'est une ville en Amérique. Et après on atterrit à la Nouvelle-Orléans. America. America. Hier je fais l'avion. Joyeux anniversaire. La belle, il est tombé dans la boue. Aujourd'hui on est le 22 février et on est en Louisiane en Amérique et on va vous faire des vlogs sur ce petit voyage qui commence ici. Nous on est arrivé hier en fin de matinée, début d'après-midi, on a loué une voiture et on est parti directement à Houma où on a pris un hôtel, un motel juste à côté à Morgan City. Et là on a repris la route, donc je vous aurais sans doute mis des petites images qu'on a filmées hier soir. Juste à côté de Morgan City, il y avait un parc avec un lac et des écureuils et des arbres magnifiques. Et du coup je disais que là on a repris la voiture et qu'on part à Baton Rouge qui est la capitale de la Louisiane. Et ensuite on va dormir à Gonzales. C'est une petite ville juste à côté. Et après la journée suivante, eh bien, on ira à la Nouvelle-Orléans et je vais vous filmer tout ça. Ouais, vas-y, comme ça, c'est parfait. Ah, génial. Écris-moi. C'est trop bien fait, hein. Merci. Vous voulez une cuillère ou... Oh bah oui, s'il vous plaît. Très green. Merci. On voit ta tête. On voit ta tête. Vas-y, fais.
Eh, on n'a pas le droit de voler. Oh, il est trop mignon. Regarde. C'est quoi ça? Tu veux voir, t'avais quoi? Wow. Et toi, Belle, t'avais quoi? J'ai vu d'Amérique. C'est la jeune, ils me l'ont jeté. Ils sont fous de jeter ça comme ça. Pourquoi je me suis fait un truc sur la tronche? Heureusement, c'est pas dans la tête, c'est en mode. Mais histoire. Je l'ai vu partir. Hein. C'est le bordel. Il y avait un mode. C'est le chaos par terre. Ils sont en train de tout ramasser par terre. On a plein de trucs là. Voilà, on va repartir avec plein de choses à la maison, on est content. Regarde, il y a des lunettes de soleil. Il y en a plein, il y a plein de trucs par là. Vas-y, mais allez sur ta tête. Il y a du Coucou à tous, aujourd'hui on est le 24 février, hier vous avez vu on est passé par la Nouvelle-Orléans, on est parti hier soir poser la voiture au garage puisqu'on la rend et là on retourne dans 2 heures à la Nouvelle-Orléans où on a un hôtel ce coup-ci et là on est en train de manger des pancakes et je vais vous montrer ça tout de suite. On est chez IHOP. IHOP. IHOP moi. Et c'est un endroit où il y a notamment des pancakes. On est le matin là et du coup on a pris, enfin Noah a pris celui-ci avec des petits bonbons. Abel il a pris celui-ci cheesecake à la fraise. À la fraise. moi j'ai pris le truc aux bananes. Ouais, le pain perdu aux bananes. Et Dinesh, dans le veggie, il a pris celle-ci. Et là, on vient d'avoir les chocolats chauds pour les enfants. Wow. Tu veux manger la crème? Regarde, t'as la petite cuillère là. Allez. C'est moi qui, c'est papa qui donne? Moi, je bois la crème. Allez. Moi, je bois la crème. Wow. Ah oui, comment il fait? Tu veux voir comment il fait? Ah oui! Ah ouais, tu fais exactement pareil. Alors on fait pause. Aïe aïe aïe. T'en as trop pris, mon cœur. Deux, c'était d'argent. Alors là, c'est mes pancakes. Là, c'est n'importe quoi. C'est mes pains perdus. Là, c'est les pancakes à Abel qui sont à la. À la fraise. À la fraise. Là, c'est pour Noah. Il en a pris 2 au chocolat finalement et 2 avec des petits bonbons à birthday. Moi, ouais, c'est sur ses habits. Tu vas les finir. C'est énorme. Hein. Ouais. C'est hyper grand. Je vais t'en donner mon petit chat. Et là, c'est l'omelette de Dinesh qui est énorme, énorme aussi. Ouais. Et il y avait des pancakes avec d'office. Bah oui, parce qu'il y en avait peut-être pas assez.
C'est là-bas qu'on va aller. C'est le bateau qui a fait le bruit. C'est pour dire attention, c'est parti. T'as raison, ça va très très vite là. Mais après, ça va aller vite, arrête de te moquer de moi. Ça y est, on est dans le bateau. On va super vite. Il va vite là, le bateau, tu trouves? Ouais. Oh. Salut tout le monde, aujourd'hui ça se commence avec moi, alors c'est très très particulier, on est le 26 février et là on est dans un bateau, enfin dans un mini bateau, et là on veut voir les alligators. Je vous montre un moment. Il y a un monsieur, il nous explique beaucoup de choses. Je vous dis où il a été filmé, Tarzan. Il ça a été là-bas. Voilà, du coup, c'était là-bas. Il a été filmé le tout premier Tarzan. Coucou à tous, aujourd'hui on est le 27 février, on est le matin. Aujourd'hui on va voir un cimetière qui est très connu ici. Ensuite on va voir plusieurs maisons où des films ont été tournés. Du coup je vous donne pas tous les noms des maisons, comme ça j'essaierai de vous en faire deviner au moins une. Et après cet après-midi on va voir où Django a été tourné de Tarantino et on va voir toutes les plantations qu'il y a autour. Et du coup là on va y aller et je vous montre tout ça. Là c'est la deuxième maison, du coup je vous dis rien et j'essaye de vous laisser deviner, voir si vous la reconnaissez. Juste un indice, c'est la maison d'une série. Je vais vous mettre des images à côté pour vous donner quelques indices et je vous laisse me dire en commentaire si vous la reconnaissez ou pas. Coucou tout le monde, on est à Evergreen Plantation. C'est une plantation où ils ont tourné Django le film, et ils ont filmé pas mal d'autres plans. Du coup, on vous montre un petit peu l'espace, c'est super beau. Il y a des petits arbustes, des petits labyrinthes là derrière moi. Et derrière, il y a la fameuse maison. On vous montre les photos, je pense que vous l'avez déjà vu dans certains films. Donc on vous montre tout ça. Là maintenant on part voir les cabines d'esclaves car Evergreen, avant d'être un lieu de tournage, c'est surtout une maison qui appartenait autrefois à des riches planteurs de coton et de canne à sucre, et c'est un endroit où travaillaient une cinquantaine d'esclaves pendant près de 200 ans. Du coup c'est super impressionnant d'être ici car c'est à la fois visuellement très beau, je pense que vous pouvez le voir dans les roches qu'on va vous montrer, et à la fois c'est super émouvant de découvrir les traces de ce passé très douloureux. Je vous laisse voir les images et je vous mettrai une liste de films à voir qui traitent d'esclavagisme. Moi j'aime particulièrement La couleur des sentiments. Je vous montre tout ça et je vous reprends après. Hello, aujourd'hui on est le 28 et c'est notre dernier jour à la Nouvelle-Orléans puisqu'on part demain. Du coup pour le dernier jour, là on va faire un brunch. Après on va aller, il me semble, dans le...
quartier, dans le quartier français. Et voilà, en fait, on va juste se balader à la Nouvelle-Orléans parce que pour le moment, on a surtout fait des genres d'excursions où on a pas mal bougé et du coup, on n'a pas tellement vu les rues du quartier français et tout le monde nous le conseille, donc on va faire ça aujourd'hui. Là, c'est les barrettes que je porte aujourd'hui. Elles viennent de la boutique Full Art. La première, vous pouvez la faire personnaliser au mot ou au prénom que vous voulez. Et les deux autres, elles étaient comme ça sur la boutique. Et c'est ce que je porte quasi tout le temps en ce moment. Takes a good kind of blue.